Bien, voici une petite vidéo pour aujourd'hui vous présenter une autre de mes activités qui est le jeu, en l'occurrence Dual Universe. Et puis c'est une petite présentation pour les gens de l'organisation avec qui je joue régulièrement, les Silentium. Donc l'idée dans ce jeu, c'est de pouvoir construire absolument tout ce qu'on veut, que ça soit bâtiment, usine de production des différents objets, vaisseaux. Et moi j'aime bien l'aspect construction de vaisseaux. Donc je fais pas forcément des trucs extraordinaires, mais j'ai plusieurs tailles de vaisseaux et là je voulais en profiter pour présenter un petit modèle qui est compactable qu'on peut mettre dans le nanopack, que je redesignerai très certainement pour remplacer le moteur que vous apercevez à l'arrière par quelque chose de plus petit mais en deux exemplaires. Là j'ai un M, je pense que je vais mettre deux S. Et en même temps, vous montrer rapidement le script que j'utilise, un script open source qui permet d'avoir du pilotage, je trouve, un peu sympa avec un HUD et des commandes qui, moi, me plaisent beaucoup. Rapidement, un petit tour du vaisseau. Voilà. La souris veut pas sauter. La base du design, de toute façon, c'est une base d'un tuto de Elias. Très très bien fait. Bon, bien sûr, j'ai changé plein de trucs puisque j'ai aussi le modèle issu du tuto où on a des moteurs aussi spatiaux, donc voilà, tout est très simple. Un peu de couleurs, quelques écrans pour les logos, rien de fabuleux. Un petit databank parce que le script Orbital HUD permet de stocker des infos. Je vais d'ailleurs vous montrer ça tout de suite. L'adresse, je vous la mettrai en dessous de la vidéo. C'est un projet sur GitHub. Là c'était la version 4.59, mais je crois qu'on en est à 4.62, peu importe. À l'arrivée, vous avez juste un simple fichier à télécharger et à installer dans votre répertoire de données de Dual Universe. Donc là en l'occurrence, c'est dans C-Program Data Dual Universe Game Data LUA Autoconf Custom, rien de moins. Et en fait à l'arrivée, voilà, c'est le script, je sais pas pourquoi, il s'appelle Button HUD. Il contient toutes les informations nécessaires. Et à partir du moment où vous avez rajouté, quel que soit d'ailleurs, si vous avez d'autres configurations que vous voulez récupérer, vous pouvez, je vais vous mettre l'interface du jeu aussi, vous pouvez, et vous devez d'ailleurs, si vous concevez un vaisseau, vous changez des pièces, ou que ça vous convient pas d'utiliser ce script, je parle notamment pour les Silentium, si vous voulez repasser la config plus classique, donc là je vous ai même mis en français pour que ça soit très clair, il s'agit, alors vous avez la configuration des commandes suivant ce que vous aimez utiliser. Moi je reste généralement clavier, j'essaye le joystick virtuel, mais pour l'instant j'ai pas encore trop le truc. Je montre ça parce que c'est important, par défaut le script en question il est sur le joystick virtuel, il y a une petite variable à changer, je vais vous montrer. Donc là j'essaie de pas me perdre, d'habitude je joue en anglais, mais quand vous avez rajouté un script dans le répertoire que je vous ai montré, il faut mettre à jour la liste des scripts. Bon, je l'avais déjà fait, mais ça mange pas de pain de le refaire. Et puis, vous passez par le menu lancer l'autoconfiguration personnalisée. Et, vous voyez, je suis à la version 4.692 de Dimensia et Archeego. C'est le nom des deux concepteurs du script. Ils l'ont appelé, effectivement, Buttons HUD. Vous allez voir, je pense que c'est dû à la présence, effectivement, il y a une touche qui permet d'avoir des options représentées sous forme de boutons à l'écran. Vous cliquez dessus, ça va vous demander de confirmer que vous allez bien effacer effectivement la précédente configuration. Juste, je reviens rapidement. Vous pouvez, d'ailleurs je suis étonné, il me manque des configurations, il faut que je les mette à jour. J'ai pas les nouvelles configurations, j'ai des trucs qui datent de l'alpha, donc je vais récupérer les derniers scripts je pense pour mettre ça à jour. Une fois que vous avez lancé donc le button HUD, il faut aller dans modifier les paramètres. Et là vous voyez, par défaut, il y a marqué dans le control scheme, on a virtual joystick. Comme moi je suis avec le schéma keyboard, enfin on va aller vérifier que je dis pas de bêtises. Donc là vous pouvez ajuster hein, si vous voulez, il y a des tas de discussions, il y a un Discord dédié qui permet de changer plein de trucs, mais moi j'ai laissé pour l'instant les trucs de base. Hein. Donc je reste bien au clavier. J'ai mis la configuration,
on a changé la variable, et puis ben on va y aller, puis je vais essayer de bien vous décrire tout ce que j'appuie comme touche. Normalement il n'y en a pas 40 000. Et puis ben en avant, hop, en pilote. Donc là, on va peut-être passer en vue extérieure pour. Donc par défaut, vous êtes loqué en termes de vue, il faut appuyer sur la touche Alt. Donc en plus moi je cumule parce que je suis dans un Shadow PC depuis mon Mac, donc j'ai un clavier, moi c'est la touche Option, et ça doit correspondre à la touche Alt. Ça vous permet d'être en caméra libre. Donc là par défaut vous êtes immobilisé, les freins engagés. La première touche à appuyer généralement c'est la touche G, qui va vous mettre, là en l'occurrence c'est sur des hovers, mais s'il y a des vertical boosters ça peut agir aussi, et il va vous positionner en altitude telle qu'elle est réglée, et vous ne bougez plus. Vous pouvez au passage, à l'aide des touches, alors c'est Alt-C pour descendre, Alt-Espace pour monter, vous pouvez régler l'altitude, qui est l'altitude on va dire de stabilisation quand vous touchez à rien. Donc si vous voulez pas être trop haut, vous pouvez la descendre même encore un peu, voilà. À partir de là, ben, on n'a pas d'action autre à faire, il est stable, il est avec les freins engagés. Moi ce que j'aime faire c'est Alt-R pour basculer en mode cruise. J'appuie sur CTRL pour enlever les freins. Et puis ben, moi je fais tout le reste à la souris, je sais qu'on peut faire avec les touches. En bougeant la molette de ma souris, vous voyez, je peux mettre des vitesses cibles, 10 km/h, 20 km/h. On peut aussi le faire avec les touches R et T, si je dis pas de bêtises, par tranche de 50. Ouais, c'est ça, 50, 100, là, voilà. Donc, pour aller vite au début, si vous voulez tout de suite partir dans des vitesses élevées, voilà, vous limitez, je sais pas, on va mettre 300 km/h et 400. Et après, ça se pilote normalement. Bah là, pour grimper, j'appuie sur la touche S pour obtenir une inclinaison d'ascension. Et puis la touche Z pour piquer. Donc après, on peut virer à plat. C'est relativement facile avec les touches Q et D. Hein, je suis en clavier français. Un petit indicateur qui peut vous servir, c'est d'appuyer sur la touche X. Donc là, j'ai appuyé une première fois. On va repasser en caméra libre. Voilà. Tiens, avec la touche Alt, je viens de découvrir, on peut changer le type de HUD d'ailleurs. Et repasser visiblement sur la... Comme quoi, on en découvre à chaque fois. Donc là, je disais, en appuyant sur la touche X, vous allez avoir la flèche qui représente votre vecteur réel, et non pas, vous voyez, quand je cherche à tourner pendant un certain temps, le vecteur il n'est pas aligné. Ça indique le vecteur de votre déplacement réel. Vous pouvez également appuyer une deuxième fois sur X, et là vous allez voir les flèches rouges qui vont représenter la portance. Là sur celui-ci, j'ai que des ailerons à l'arrière, donc la portance se fait sur les éléments à l'arrière. Si vous avez des ailes ou d'autres éléments, vous aurez d'autres flèches. Et ma foi, ben, je trouve que ça se pilote pas trop mal. Donc là, Q et D pour faire les virages, je n'ai pas le terme technique d'aviation, ce sont des virages à plat, hein, qui vont utiliser les ajusteurs qui sont sur les côtés, à l'avant, vous voyez. Vous pouvez obtenir une inclinaison avec les touches A et E. Voyez. Donc je pense qu'on va pouvoir faire un tonneau sans souci, de toute façon il est relativement stable quand il est comme ça. Voilà. Et puis c'est tout, hein, il n'y a pas d'autres pièges. Je trouve que ça vole plutôt bien. Il y a longtemps que je ne l'ai pas poussé, je ne sais plus jusqu'à combien il monte. On peut faire un essai si vous voulez. Allez, on va aller dépasser la base en l'occurrence. Hop. Donc j'atteins les 900. On va essayer de passer crâne. Là, comment il pousse. On est très basse. Voilà, on est un peu plus de 1000 km/h. Je pense qu'il va monter lentement, mais il n'ira pas très loin. Hop. Et donc là, il va décrocher, mais si je le laisse faire, je peux appuyer sur la touche G. Et là, automatiquement, on passe dans un mode particulier qui va essayer. Donc là, normalement, il est équipé ce vaisseau avec tous les éléments nécessaires. Et il va vous faire descendre. Pour vous stabiliser à la hauteur qu'on a réglé tout à l'heure avec Alt-C et Alt-Espace, puis descendre après avoir sorti les éléments de train d'atterrissage, et voilà, vous êtes posé, je n'ai rien fait dans la manœuvre. Je peux vous le recommencer, j'appuie sur G en décolle. Voilà. Je re-appuie sur G, je ne touche plus à rien, et il s'occupe de la manœuvre.
C'est assez pratique, ça évite de faire des boulettes quand on est en approche d'un bâtiment. On peut peut-être même, en parlant de boulettes, retourner en direction de notre point de départ, à savoir l'usine des Silentium. Voilà, donc là, on n'a pas de gros risque à ces vitesses-là. Voilà. Ah, j'ai laissé, vous voyez, les freins engagés, ça m'empêche pas d'avancer. Là, il y a vraiment un truc là quand même. Je sais que sur des vaisseaux plus gros, ça a tendance à poser problème. Donc. Voilà, on arrive un peu vite. Et je ne sais pas ce que j'avais comme point de référence. Ah oui, j'avais un point de référence juste à côté. Donc là, on doit juste passer. Et là, j'appuie sur la touche G. Et j'ai rien fait, j'arrivais relativement vite, j'ai rien fait de spécial, et hop, ça se positionne et ça se pose. Donc faut faire attention quand on conçoit son vaisseau d'avoir suffisamment de hover et de boosters verticaux pour freiner la descente, mais dans ces conditions-là, ça se passe plutôt bien. Donc voilà, je ferai sûrement un redesign un peu du vaisseau, mais pour les Silentium, il est dispo, le plan est dans l'usine, n'hésitez pas à aller vous servir. Et pour les autres, je pense pas qu'ils soient extraordinaires, mais vous pouvez toujours me contacter en jeu. Donc c'est Kiki Mobi sur Twitter aussi, si vous voulez me faire un message. Je vous filerai le plan, il n'y a aucun souci. C'est les plans d'un tuto à peine modifié, il n'y a pas de problème pour partager ça. Et puis ben, à bientôt, j'espère vous présenter des constructions un petit peu plus avancées, rapidement. À bientôt!